Décret numéro 2018-497 du 28 décembre 2018. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi, vu l'ordonnance, vu et vu, sur proposition du comité de défense, décrète, article 1er, le capitaine de vaisseau, Ganga Laurent Hippolyte, est nommé chef d'état-major interarmé de la zone militaire de défense numéro 1. Article 2. L'intéressé percevra à ce titre les indemnités prévues par les textes en vigueur. Article 3. Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de prise de fonction par l'intéressé, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Note de service numéro 00203, /ZMD1, /GPT03M, /ST. Objet. Gestion efficiente des appartements. 1. Dans le but de permettre une gestion efficiente des appartements aux immeubles du groupement Trois Martyrs, un état de lieu se fera désormais avant et après l'occupation des 10 appartements pour militaires nouvellement affectés dans la garnison de Pointe-Noire. 2. Les délais d'occupation des appartements ne devront plus dépasser 6 mois afin de pouvoir recevoir les nouveaux personnels militaires affectés en zone militaire de défense numéro 1. 3. Les frais de réparation des dommages enregistrés sont à la charge des personnels occupant l'appartement après constat. Hors de zone, numéro 00128, /MDN, /FAC, /EMG, /ZMD1, /EMIA, /DOMP. Le commandant de la zone militaire de défense numéro 1, vu la Constitution, vu la loi, vu l'ordonnance, vu et vu, nomme, à titre exceptionnel pour compter du 1er janvier 2019, premier trimestre, régularisation pour le grade de caporal au quartier maître de deuxième classe. Le soldat Funzeki Nsila Hilarion, de la direction départementale des services de santé. Le soldat Ngafula Ampa Palmer, de la direction départementale des services de santé.